Après 2 ans de silence, le Tennis Open de Cotonou reprend vie. À travers une conférence de presse, ces organisateurs de ce grand événement de tennis ont annoncé la tenue effective de l'édition 2016 du 5 au 10 décembre prochain. On a accepté de jouer au tennis, on a fait carrière dedans, on a fini, on est là. Il faut qu'on apporte chaque fois quelque chose pour ce tennis. Il ne faut pas qu'on laisse les jeunes qui veulent évoluer. L'objectif de ce tournoi, c'est donner l'opportunité aux jeunes d'évoluer. Et pour cette nouvelle édition de ce tournoi, beaucoup d'innovations ont été mises sur pied. Nous ambitionnons montrer une autre image d'organisation à l'échelle internationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des formations qui sont prévues, formations pour les ramasseurs. Ensuite, il y a un recyclage qui se fera pour les arbitres et juges de ligne. On aura des hôtesses aussi que nous allons former au système tennis. Parce que les hôtesses, elles sont habituées aux événements. Mais ici, il y a une particularité, la gestion du public pendant le match. Nous allons les former à cela. Pour l'Open de cette année, il y a une organisation parfaite. Je dis bien parfaite. Parce que pour le premier prix, simple monsieur, c'est 1 million CFA. Finaliste, 500 000. 250 000. 125 000. 60 000. Et 20 000. Vous voyez qu'il y a une bonne cagnotte à gagner. Le rendez-vous est donc pris pour le 5 décembre prochain au stade de l'amitié Mathieu Kérékou de Cotonou pour un spectacle riche en couleurs.